Hello, hello, bienvenue sur Multitalent, j'espère que vous allez bien. Je suis Ngona, votre multitalentueuse. Oui, je sais, ça fait un bail que je n'ai pas posté de vidéo. La raison est simple, c'est que j'étais enceinte. Vous pouvez imaginer la fatigue de fin de grossesse, l'accouchement, etc., etc. Et voilà, grâce à Dieu, je suis de retour. Tout s'est très bien passé. J'ai donné la vie à une jolie petite fille qui va avoir bientôt deux semaines. Et je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. J'espère que comme vous m'avez manqué, je vous ai aussi manqué. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Puisque j'ai parlé de bébé, puisque nous parlons de bébé, je vais vous donner une petite astuce de grammaire pour bien faire, pour faire tomber rapidement le cordon ombilical. Alors, sans plus tarder, générique. Comme annoncé aujourd'hui, nous allons parler d'une petite astuce de grammaire pour faire tomber le cordon ombilical en 3-4 jours. 3-4 jours, d'accord? Voilà, quel est le matériel dont vous aurez besoin? Vous aurez besoin de compresse. Voilà, de compresse. Vous aurez également besoin de solution physiologique. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ce qu'on utilise généralement pour décongestionner, pour laver le nez de bébé ou les yeux de bébé, d'accord? Ou vos propres yeux même, d'accord? Vous aurez également besoin de sel. Vous aurez besoin de votre propre salive. Alors, ce que vous allez faire, après avoir donné son bain à bébé, vous allez prendre un bout de compresse que vous allez couper avec des ciseaux et l'imbiber de cette solution. Vous allez nettoyer le cordon de bébé tout autour du cordon. Et vous allez prendre un peu de sel que vous allez mettre à la base du nombril de bébé. Je veux dire, la partie qui sera son nombril et le cordon qui est encore attaché à cette partie. Vous allez mettre du sel à cet endroit-là, une bonne quantité qui suffit à cet endroit. Et enfin, vous allez mettre votre salive au-dessus de ce sel que vous aurez mis. Vous allez le faire tous les jours et vous allez voir que au bout de 3-4 jours maxi, le nombril de bébé va tomber, cicatriser sans infection, sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça marchera pour vous comme ça a marché pour moi. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Partagez la vidéo pour aider beaucoup de mamans, surtout les plus jeunes mamans, les nouvelles mamans, d'accord? Et likez pour dire que vous avez aimé ce qui s'est dit à l'intérieur. Retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Bye bye! Mouah.